Christian Gou, bonjour. Vous nous avez reçu deux fois déjà pour nous parler de votre vie professionnelle, de votre entrée en politique via François Mitterrand, dont vous avez été un proche. Il se dit même qu'à un moment, vous auriez pu devenir secrétaire général de l'Élysée. Or, vous choisissez l'action et vous briguez, il faut le dire, la mairie de Toulon. Mais avant la mairie de Toulon, il y a eu un épisode, car en 1974, je me lance donc dans la politique active, donc à Bandol, puisqu'il y a les élections de Bandol. Je rencontre d'ailleurs quelqu'un maintenant dont on n'a plus entendu parler, qui était un fidèle de François Mitterrand, Franceschi. Bon, et je lui dis, mais on sympathise, et je lui dis, comment est-ce que je peux faire pour me présenter aux élections de Bandol? Bien sûr, ma femme étant bandolaise, vraiment, c'est un atout qui est énorme. Et il me dit, écoute, fais un petit livre sur Bandol, et puis après, tout ira tout seul. C'est une ville qui est quand même très, très marquée à droite, quand même, il faut bien le reconnaître. Et me présenter à Bandol, c'était un peu, pas une mission suicide, mais enfin, c'était très risqué. Mais à l'époque, j'imaginais qu'on pouvait remporter les foules. Et donc, je me lance dans cette affaire, je me présente à la mairie de Bandol, dans des conditions difficiles. Mais bon, ça marche, et à ce moment-là, le soutien des communistes bandolais qui étaient nombreux, Monsieur de Ferrari, dans son nom d'ailleurs au stade, qui a compris qui j'étais et qui m'a fortement aidé. L'élection se déroule au premier tour, bon, il y a eu trois listes, les deux listes de droite n'arrivent pas à s'entendre, surtout qu'il y a eu des histoires corses entre eux, assez graves, et donc je suis élu de justesse, puisque c'était à ce moment-là les conseillers un par un, 15 conseillers contre 14. Alors, donc je me trouve maire de Bandol, je téléphone le soir même, j'ai Mitterrand au téléphone, ah, il me dit, Gou, c'est pas possible, vous avez gagné, je dis, oui, j'ai gagné à Bandol, voilà. Pourquoi il n'y croyait pas? Et parce que, si vous voulez, sur le papier, c'était vraiment extrêmement difficile, il a fallu un concours de circonstances, d'ailleurs, je m'en suis rendu compte avec le recul, ça m'a rendu très modeste, si vous voulez, la politique, le rôle de chacun est évidemment important, ça peut faire bouger quelques points, mais quand, là, le fossé était vraiment très grand, voilà, donc, je deviens maire de Bandol. Et j'avoue que c'est un des mandats le plus difficile, parce qu'être maire dans une commune qui n'est pas du tout de votre tendance politique, c'est extrêmement compliqué. Mais on voit les gens de près, on voit leurs problèmes. Par contre, c'est très prenant, c'est très prenant. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de répit. Et en plus, quand on est dans l'opposition, finalement, d'un certain point de vue à la ville, on a beaucoup de mal à gouverner. Mais voilà, donc ça m'a beaucoup appris de choses. Ben on voit de plus près ce que c'est que la nature humaine. Hein. Alors que quand on est... vous savez, quand j'étais ingénieur des ponts, on vit dans son ghetto. Quand on est prof, on vit dans son ghetto. Quand on devient brutalement maire, on n'est plus dans son ghetto. On est obligé de voir tout le monde. Et on est surpris, parce que c'est souvent les gens qui ne vous demandent rien, qui sont les plus fidèles. On découvre tout, quoi. On découvre la vie un peu comme un médecin, finalement. On a des contacts avec les gens. Alors c'est très difficile, notamment pour la famille, parce que c'est invivable pour la femme, parce que dès qu'on descend dans la ville, on voit harcèle sans arrêt. Mais bon, voilà, ça a été une expérience très heureuse. Je regrette d'avoir peut-être fait qu'un mandat, mais un deuxième mandat m'aurait peut-être tué physiquement, parce que si vous voulez, vraiment, c'est très usant, c'est très usant. Donc, gérer une mairie comme celle de Bandol, notamment, c'est plus gérer des hommes? Oui, alors ça avait l'avantage, c'est que tous les maires actuels, ils sont embarrassés pour les problèmes de finances, de budget, etc. Vous comprenez que pour moi, c'était une vaste rigolade, puisque j'avais quand même la formation. Donc, cet aspect qui souvent est rebutant pour les maires, pour moi, ne l'était pas. Donc, je faisais le poids, puis c'était fini, donc il n'y avait pas de discussion. Je n'ai pas de remise en cause de ce côté-là, c'était quand même très commode. Voilà, et puis en plus, j'avais en face de moi un opposant véritable, qui était le docteur Pecht, qui faisait une carrière politique très longue, et donc, voilà, les choses n'étaient pas simples. Mais c'est une expérience importante dont j'ai été très satisfait. Alors, évidemment, 77, j'étais maire, bon, puis arrive 81, j'ai fait la deuxième campagne, comment dirais-je, présidentielle, de plus loin. Et j'ai pas de souvenir très important de cette campagne, parce que, si vous voulez, j'étais moins près de lui, je l'ai moins accompagné dans les déplacements. C'était une campagne qui se préparait depuis longtemps. Bon, donc par contre, j'ai des souvenirs du congrès de Metz où il y a eu l'affrontement Mitterrand-Rocard, et où j'étais évidemment très proche de Mitterrand, et en plus où j'ai fait la connaissance de Pierre Bérégovoy. Mitterrand est élu.
Bon, l'abbé Rigovoy me téléphone et me dit, tu viens avec moi à la cellule, la petite cellule qui précède, vous avez l'élection. Voilà, donc je suis avec lui à cette cellule présidentielle, où d'ailleurs j'ai fait la connaissance de Védrine, et où Abbé Rigovoy m'a donc pris. Et alors en plus, quand Mitterrand arrive à l'Élysée, bon, j'entre à l'Élysée comme une sorte de conseiller, finalement. J'étais prévu pour être conseiller à l'Élysée, aux côtés de François Mitterrand. Donc j'entre à l'Élysée, et puis il y a le moment des élections législatives. Et puis on me dit, écoute, peut-être il y a une chance pour que tu sois élu député en 80. Vous vous rendez compte, le choix pour moi, chance d'être élu député dans le Var, et puis de rester conseiller. Et là, je ne sais pas ce qui me prend, je décide de me lancer pour être élu député. Et je suis élu député dans une circonscription où, théoriquement, c'était un communiste qui était toujours devant, c'est bien les élections dans la 4e circonscription. J'apprends à Mitterrand que je me lance dans la campagne, il me dit « Comment vous me quittez ?» Je dis « Non, président, je ne vous quitte pas, mais bon, c'est important, l'élection. » Et donc, je deviens président et député du Var, la 4e circonscription du Var. Évidemment, un changement extraordinaire. Et donc, j'arrive à l'Assemblée. Vous êtes un député, c'est très bien, mais bon. Et là, il se trouve que André Bouloche, vous ne saviez pas qui c'était, mais André Bouloche était un ingénieur des ponts qui était mort 6 mois avant dans un accident d'avion et donc qui était un peu celui qui aurait dû prendre la place de président de la commission des finances. J'arrive à l'Assemblée et Mitterrand me fait dire qu'il fallait que je sois candidat à la commission des finances. Et je suis candidat et je suis élu président de la commission des finances. Vous imaginez un peu le saut de quelqu'un comme moi qui était petit maire de Bandol, et qui devient brutalement président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. C'est difficile ? Non, mais ça a été quand même une énorme surprise. Une fois de plus, facile, à cause de ma carrière. Vous comprenez ? Quand vous êtes un économiste qui est connu, j'étais économiste connu, reconnu, donc il n'y a pas eu de problème. J'ai eu de très bons rapports avec la droite, très très bons rapports avec M. André Vivien, les gens que j'ai succédés. Et puis, j'étais pas du tout dans un match de revanche, vous comprenez ? Donc les gens ont compris, il y avait l'alternance, j'étais au niveau pour eux. Donc j'ai passé 5 années à la commission des finances, formidable et merveilleuse. Mais vous pouviez travailler librement ? Ah oui, absolument. Vous savez, l'Assemblée, et puis d'ailleurs, il y avait le personnel de l'Assemblée nationale est vraiment très au niveau. Je vois M. Hondberry, quand je suis arrivé, qui était un vieux gaulliste, qui était pourtant avec les précédents, qui s'est mis à ma disposition, qui m'a aidé. Je veux dire, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème, et donc là, j'ai des souvenirs de l'Assemblée nationale très positif, mais vous savez, j'ai vécu moi à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. J'avais une petite chambre, c'était pas comme maintenant, sur place, donc je restais 4 jours, 5 jours sur 5 à l'Assemblée nationale, donc c'était vraiment important. Alors évidemment, entre-temps, en 83, j'ai été battu, j'ai très mal pris la chose, bien sûr, quand on est battu. Mitterrand m'a expliqué que bon, être battu, c'est normal. Il n'y a pas toujours, on n'est pas toujours élu. Ceux qui croient qu'on est toujours élu, ça n'existe pas. Il y a des défaites formes. Donc, si vous voulez, il y a eu la petite phase 83 qui n'a pas été très simple. Et voilà, donc les années passées à l'Assemblée nationale ont été pour moi des années que je ne regrette pas et qui ont été très positives. C'est là où j'étais président de la commission des finances. On verra que par la suite, quand on a perdu en 86, je suis devenu député de 86 à 88. Mais c'était tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Alors, si on saute un peu le temps, est-ce que 95, la candidature à Toulon, c'est une espèce de vengeance sur le... Pas du tout. Pas du tout. En 88, quand j'ai été battu, Pierre Guéret-Vauvoy m'a fait nommer président de l'ATIC, l'association pour l'importation du charbon. C'était une sorte de société parapublique, hein, donc qui m'a beaucoup intéressé. Et dans le fond, j'avais envie de clore la partie politique de ma vie. Parce que dans le fond, ça n'a été que finalement, si je prends 72-88, ça n'a été que 14 ans. J'ai quand même fait beaucoup d'autres choses. J'étais pas complètement prisonnier de la politique. D'ailleurs, je comprends ceux qui, maintenant, ils n'ont pas d'autre vie en dehors de ça, qui ne veulent pas s'en aller, qui sont prêts à tout. Bon, c'était 14 ans que j'avais passé. J'étais très satisfait. Et en 88, j'avais aucune espèce de raison de m'en aller. Mais de 88 et 93, bien qu'étant pas dans le circuit politique, j'ai eu des fonctions quand même très importantes parce que Pierre Bérégovoy m'a nommé en plus de la TIC. J'étais membre de la commission, membre du conseil général de la Banque de France. Donc j'étais un petit peu, pas le représentant, c'est comme on dit, l'ami de
Pierre Bérégovoy à côté du gouverneur de la Banque de France. Donc j'étais entendu, je ne dirais pas consulté, mais entendu comme je devais l'être, puisqu'on savait que j'étais très lié à Pierre Bérégovoy. Christian Gou, merci.